Oui? Yo, gros. On vient voir Takako. Nat, Cathy, yes! Vous avez le matos? T'inquiète. Brosse à dents. Sac de couchage. Popcorn. 8 heures de MP3. Romance vampire en Blu-ray. Et... pyjama! On va se faire une soirée nana! Takako! Nat! Cathy! Hubert! Hubert? C'est une soirée pyjama. Traduction pour le cochon. Interdit aux garçons. Ah oui, bien sûr, je plaisantais. Tu dors là? Oh, ça tombe bien, on va squatter ta chambre. Yes! On va s'éclater comme des malades! Oh, trop dément. La nouvelle Yakamachu 500 a un nouveau pot hybride en titane renforcé. Bouge pas! Trop bon ton guacamole, Nat. Tu bouffes mon masque de beauté, là. Bon, je vais chercher de quoi manger avant que Cathy avale notre stock de maquillage. Je cherche mes lentilles de contact. Hubert, t'as jamais porté de lentilles de contact. Tant mieux! En voilà une bonne nouvelle. Sinon, ça va? Tout se passe bien? Un petit creux? Merci! Salut! J'ai trouvé ma taille! En solde, pas cher! Salut! Moi, c'est Patricia! Patoche pour les intimes! Qui veut essayer le mascara au chamallow? C'est tout nouveau, ça vient de sortir! Hey, bitch, venez les filles! Sortez les maillots, c'est le moment! Hubert, t'es lourd, on a dit non! Mais qu'est-ce que vous croyez? J'ai pas besoin de vous d'abord! Moi aussi j'ai des amis! D'ailleurs, ils m'attendent en bas, j'y retourne! On s'excuse d'avance! On va faire un peu de bruit! Allez-y, vous gênez surtout pas! Ah ah ah! Qu'est-ce qu'on s'éclate! Je passe vraiment une excellente soirée avec mes nombreux amis! À la nôtre! Ouais! Oh, merci Hubert! T'es vraiment le meilleur copain du monde! Oh, t'es sûr comme un chef! Change rien, mec, on t'adore! Merci les gars, ça fait chaud au cœur! Elles vont être vertes! Je parie ma cravate qu'elles vont pleurer pour venir jouer avec nous! Oh, ça va, hein? Pas la peine de me regarder comme ça. Je sais très bien ce que vous pensez. Si vous croyez que je vais les supplier de m'inviter à leur soirée, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Inutile d'insister, j'ai ma fierté, moi. C'est sympa, Jean-Luc. Toi, au moins, t'es un vrai pote. Hubert? Dis-moi que t'es consciente, parle à un coussin, s'il te plaît. Ah non! On avait dit pas de garçon! Mais on peut pas le laisser dans cet état! Si on l'accepte à notre soirée, on piétine des années de combat pour la liberté des femmes. C'est hors de question! On pourrait pas faire un mini break dans la lutte contre l'oppression des mâles dominants? Faut pas se relâcher! Si on dit oui une fois... Yes! Merci les copines! Ok, juste une fois alors! Après, on reprend la lutte! Bien dit, les filles! Atelier bracelet brésilien, ça vous branche? Pour garder un super souvenir de cette soirée. On fait le bilan des tendances pour l'été, hein? Customiser son jean avec un sac en plastique, tous les trucs des grands créateurs. On se raconte aux histoires de cœur, alors. Un yaourt 0%?
Te fatigue pas, tu fais tâche. Un gars dans une soirée pyjama, c'est comme une cornemuse dans un concert de rock. C'est pas réglementaire. Vous avez raison, les filles. Ça se fait pas. Enfin, t'es raisonnable. Mais non, justement. On n'est pas raisonnable. On est des rockeuses. Les règles, on s'en balance. Mais vous imaginez le truc? La seule soirée pyjama au monde avec un garçon dedans. C'est limite choquant, mais c'est ça qui est bon. Ah, faut bousculer l'ordre établi. Réveillez-vous! On est des rebelles ou pas? Gagné! Yes, poteau! Vous le dites si on vous dérange, hein? Allez, la belle, hein? Puisque vous êtes des filles, on vous laisse 3 points d'avance. Tu vas les vexer. 3 points d'avance pour nous, parce que j'ai le désavantage de faire équipe avec un garçon. Ok, prêtes les rebelles. Wow! Non mais vous savez l'heure qu'il est? Génial, ton pyjama. J'avais le même quand j'étais encore un asticot. Désolée. Le matin, on a plus d'énergie et plus d'inspiration. L'énergie, je la sens bien. L'inspiration, pas trop. Qu'est-ce que tu connais, toi, d'abord? Nous, on fait du rock, pas des berceuses. Allez, les filles, on va faire un tour en ville. Ouais, ça n'empêche pas de connaître le solfège. Profitez-en pour prendre un cours ou deux. C'est pourtant pas sorcier de faire autre chose que du bruit avec une guitare. Porte, j'avais jamais remarqué. J'ai rien dans les mains. Super. Bon, je vais me faire un sandwich. Non. Il y a un vieux fromage moisi dans le frigo, c'est une infection. Tu me fais envie, là. En fait, j'ai tout mangé, il n'y a plus rien, désolé. Ah, t'as entendu, on a sonné. Tu peux aller ouvrir, s'il te plaît? Ben, vas-y, toi. Je me suis fait mal aux pieds, regarde. Mais bon, te fatigue pas, j'ai pigé. Personne! T'as dû rêver, mec! J'ai démarré la machine à laver! C'est super grave, j'imagine? Ouais, non, c'est parce que j'ai mis à 60 degrés sans pré-lavage. C'est pas bon pour les lainages, tu sais bien, c'est pas bien. T'es sûr que ça va? Moi? Un pec? J'ai un méga pec. Ok, je vais faire un peu de guitare alors. T'as raison! Moi aussi, j'ai les jambes lourdes avec le chauffage au sol. Allez, viens, on va prendre l'air. Hein? Mais je dois trouver quoi au fait? Froid. Tiède. Chaud bouillant, là. Bon, maintenant, ça suffit. C'est quoi ton problème? Ben, c'est que, en fait... Oh, on a sonné. Tu peux ouvrir, s'il te plaît? Ah non, tu vas pas me faire le coup à chaque fois. Mais c'est peut-être hyper important. Une question de vie ou de mort. T'as caco, il y a des méga soldes en ville. Faut pas rater ça. Ce serait dommage, hein. Tenez, achetez tout ce que vous voulez. Prenez tout votre temps, hein. Merci. Toute votre vie, même. Bah, t'en fais une tête. C'est Hubert, il est bizarre. Normal, c'est un mec. Je sais pas, c'est comme s'il voulait pas que je rentre à la maison. Oh, et c'est pas bon, ça. Il doit cacher un truc. Roberto était pareil juste avant qu'il me plaque. Tu crois qu'il veut me jeter? Mais pourquoi? Peut-être à cause de la fois où t'as transformé la cuisine en jacuzzi.
quand t'as voulu adopter un gorille. Ou quand t'as réparé le four. Il faut que je lui parle avant qu'il soit trop tard. On se connaissait pas vraiment, mais je suis sûr que t'étais une chic fille. Tu réalises que tu parles à une fleur? Non, c'est à ma brosse à dents. Elle a rendu son dernier poil hier. Quelle tristesse. Bon, écoute, Hubert, on est potes, non? On peut tout se dire. Justement, dis-moi franchement, je devrais changer de coiffure, non? Je vais me faire friser la houppette. Arrête, je suis pas stupide. C'est moi le problème, c'est ça? J'ai fait une gaffe? C'est quand j'ai dit à Jennifer que tu dormais toujours avec ton doudou? C'est quoi? C'est quand j'ai acheté mon nouvel ampli de 5000 mégawatts? Acheté? Mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? C'est une question de vie ou de mort, vous comprenez? Je veux la même guitare que celle-là. Ah ouais, mais j'ai vendu tout mon stock de ce modèle. Mais comment je vais faire, moi? Je peux vous en fabriquer une, mais ça prendra une semaine. Et puis ça va vous coûter un max. Faites-la moi tout de suite et je vous paye le triple. Ok, c'est bon, on oublie tout. Check ça, mon pote. Elle a cassé sa guitare. J'étais complètement malade. Bah quoi? C'est qu'une guitare, j'en ai tout un stock. Ça c'est de la punk attitude. On a besoin de toi. Je t'explique. Et pourquoi c'est toi qui expliquerais? C'est bon, laisse-la. On va participer à l'émission de Bob le Pou. C'était les scorpions sataniques. Et maintenant, Rico l'étrangleur pour nous en parler. C'est une vraie hyène. Il fait tout pour déstabiliser ses invités. Problème, il veut interviewer une seule d'entre nous. Et on n'arrive pas à décider qui. Donc c'est toi qui vas choisir. C'est qui le leader du groupe? Qui a déjà été interviewé? Et qui s'en est le mieux sorti? Pouf pouf, ça sera toi qui sera interviewé. Non, non, pas de pouf pouf, tu choisis. Et tu fais pas pouf pouf dans ta tête. T'as oublié un truc. C'est quoi le problème? Je veux pas choisir. Si j'en choisis une, les autres vont me détester. Et moi, je veux que tout le monde m'aime. Mais non! Tant que ta décision est juste, nous l'accepterons. Fais-nous passer un test et tu choisis celle qui se laisse le moins déstabiliser. Et voilà ce qu'il faut! Des critères objectifs! Je vais me préparer. Et favorise pas ta caco parce que c'est ta copine! Ouais! Me favorise pas! Hein?
Super musique. Sur qui vous avez pompé? Hubert? Oui? Je peux te parler? Non, pas de favoritisme. Mais ouais, donc je disais... Hubert! La neutralité, ça n'existe pas. Écoute ton cœur qui dit « Takako, Takako, Takako ». Je suis incorruptible. Pense à notre amitié, notre complicité, tous ces bons moments passés ensemble. Non, ça ne serait pas juste. N'empêche, me faire du chantage affectif comme ça, c'est moche. Vous êtes donc les poilopathes? On commence par quoi? Les poilopathes, c'est un groupe de punk. Éliminé. Ouais, alors on a un groupe de punk mouche, avec moi à la batterie, avec toi à la guitare et Petit au clavier. Ah bon? Le truc, c'est vraiment un gros son, tu vois, un gros rythme. Avec des mélodies vachement travaillées, en fait. Tu vois, la musique, c'est l'émotion du rythme, la mélodie au cœur. Et mon poids sur ton croix! Éliminé! Alors, ça s'est passé comment, votre rencontre? En fait, on était au collège ensemble, tout simplement. C'est pas très intéressant comme réponse, hein. C'est pas très intéressant comme question. Éliminé. Hein? Cathy est trop émotive, Nat est trop agressive et Takako se croit plus maligne que l'animateur. Et qui va y aller, gros malin? Moi. Dis du bien de nous pour voir. C'était génial! T'as trop assuré. C'était un vrai pote. Croyez-moi, les filles, on va péter la banque! C'était les poilopathes et Hubert pour nous en parler. Bah, les poilopathes, ouais, ce sont trois filles formidables. Kat, Nat et Takako. Ah bon? Elles ont un son énorme que la plupart des gros bras de rock pourraient leur envier, ah avec une sensibilité qui redéfinit radicalement les choses. En tout cas, une chose est sûre, quand vous sortez d'un concert des poilopathes, vous avez la banane aux lèvres et la rage au cœur. Non mais là on s'ennuie à mourir. T'as pas des petites anecdotes croustillantes plutôt? Allez, t'es un type super cool. On est entre nous. Lâche-toi mon Hubert. Ok. On peut parler de leur soirée pyjama. J'ai des photos. C'était mon pote Hubert et ses sacrés poils aux papates. Et coupé. Hey Bob, on échange nos numéros de portable. On se connaît. J'étais comment? Si tu veux que tout le monde t'aime, un conseil. Commence par être au petit soin avec ta colocataire. Mais tu m'aimes quand même encore un peu. Vas-y, donne-moi trois raisons pour que je t'aime. En numéro un, je suis un garçon très... Aïe, 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 chantage affectif, c'est moche, hein. Tu donnes des leçons de guitare. Tu vois, quand on arrive à une certaine maîtrise de son art, faut transmettre aux générations futures. Passer le flambeau, quoi. Mon premier disciple! Combien tu paries qu'il est beau gosse? Bonjour. C'est ici pour le cours de guitare? À la bonne porte, tu as sonné. Entre, jeune padawan.
c'est à la cave que ça se passe. On répète ici avec le groupe. J'aime bien, c'est sombre, comme mon âme. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non. Ah! T'inquiète, c'est mon rat. Bazooka, tu pourrais dire bonjour. Excuse-le, il est un peu timide. Tiens, joue-moi un truc que je vois ton niveau, là. Cool. Mets-toi à l'aise. Faut pas être impressionné par mon côté pro. Je me suis un peu loupé sur la trie en fa dièse. Tu m'excuses deux secondes? Bazooka, attends, c'est croquette. C'est un génie, je te dis! En plus, il a des techniques bizarres, genre trille en fa dièse, je sais pas d'où il sort ça! Je suis mal, il est mille fois meilleur que moi. Oui, bon, il connaît son solfège. Son quoi? Laisse tomber. Annule le cours si tu le sens pas. Je suis coincé, il a payé d'avance pour 6 mois! Et j'ai un peu tout dépensé. Je vois. Oh, je peux pas le jeter, ce serait abusé. À moins que ce soit lui qui laisse tomber. Hubert, s'il te plaît, faut que tu m'aides là. Bon, écoute, petit, je te cache pas que ton niveau est hyper faible, hein. Tu vas revoir un peu les bases avec mon pote avant de passer aux choses sérieuses avec moi. Ok. Alors, premier point, la condition physique. Atelier broderie. C'est idéal pour s'échauffer les doigts. On va commencer par un motif simple. Le poignet reste souple. On est bien stable sur ses appuis. Fini. Ça va pas. Tu manques de précision. Hein, Hubert? Ouais, techniquement, c'est pas ça. Et sur le plan artistique, il y a un manque de maturité, évident. Regarde bien, petit. Désynchronisation, main droite, main gauche. Des années d'entraînement. Comme ça? Il s'agit pas d'épater la galerie, mais de faire marcher sa cervelle. 245,7 fois 0,3 divisé par 789? Bah, 0,0934. Eh ben, t'en as mis du temps. Va falloir bosser ta rapidité, mon grand. Mais pourquoi il y va pas? Dis-lui d'y aller. Maintenant. Ah oui, non, mais là, ça compte pas, j'ai été aveuglé par un nuage. Je me suis claqué le mollet. J'en profite pour revoir le niveau d'huile. Ah, il m'agace, il m'agace, il m'agace. J'ai gagné là, non? On va pouvoir commencer le cours de guitare. Ah, parce que c'est ça la musique pour toi, hein? Une compétition. Mais t'as rien compris à l'esprit du punk en fait. Rien de rien. Bon, t'es pas fait pour ça, c'est tout. Y a pas de honte, hein? On va pas le laisser partir comme ça. Mais si, tu vois bien qu'il est pas à l'aise. Laisse-le s'il veut s'en aller. Écoute, la vie c'est un combat, ok? Faut pas que je... Enfin, qu'il reste sur un échec. On va lui laisser une dernière chance. Alors c'est simple, mon grand. Tu dois faire rire le charmant monsieur qui ouvrira cette porte. Bon courage. Mais... C'est quoi le rapport avec la guitare? Pose pas de questions, pense! Et là, le type, il dit: désolé, mon vieux, un quadrilatère, c'est un polygone ayant 4 côtés. Ah! Sinon, vous connaissez celle du triangle isocèle qui reste coincé dans un ascenseur? Oh non! Oh la crise! Bien vu!
Oui, hein, ça va. Hein. Bon, on va pas y passer la nuit non plus, hein. Alors donne-lui son cours et puis on n'en parle plus. Et si on lui faisait plutôt passer un dernier test? Genre draguer Jennifer? Laisse Jennifer tranquille! Parce que sinon je vais lui dire à ton petit génie que tu joues de la guitare comme une enclume. Laissez tomber, je vois bien que je gêne. J'ai l'habitude de toute façon. Attends! Excuse, j'ai pas été cool avec toi. C'est juste que tu joues beaucoup mieux que moi et j'ai rien à t'apprendre en fait. Justement, c'est ça mon problème. Les gens me détestent parce que je suis fort en tout. Vous savez pas la chance que vous avez d'être nul. Y a peut-être moyen d'arranger ça? Reste bien en décalage avec le tempo. Comme ça? Voilà! Tu vois quand tu veux. Dans 5 minutes, c'est mon tour. Je vais t'apprendre à bien rater une pâte à crêpes. Avec plein de grumeaux? Ouais, là, doucement, doucement. C'est pas si facile d'être nul, tu sais. T'as vraiment besoin d'acheter tout ça? Oh là là! T'as le shopping triste, c'est l'horreur! Même mon arrière, 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 arrière grand-mère est plus fun! Il te plaît? Ben voici, achète-le! Non, je peux pas. Ce serait pas raisonnable. Mais décoince-toi un peu, mec! Faut vivre, quoi! Non, non, n'insiste pas. C'est pas pour moi. Cache ta joie. J'en veux pas. Je le ramènerai au magasin demain. Ça va? On peut en parler si tu veux. Oh! Tu dors? Qu'il est beau le vélo, hein? T'es beau, toi? Oh, si t'es beau, j'aime mon vieillot. Ça a l'air de coller entre vous, finalement. Oui, t'avais raison, je l'aime trop, je pourrais jamais le rendre. Allez, faut dormir maintenant. Bonne nuit. Hé, hey, bonjour. Beau temps pour sortir en vélo, hein. Et si on faisait la course? Non, mais je voulais dire, moi je vole et toi tu roules. Ah, mais j'avais pas compris. Tant pis, j'ai perdu. Pourquoi tu montes pas sur ton vélo? Ils ont annoncé du verglas à la télé. J'ai pas envie de me casser une jambe. On est en plein mois d'août, là. Non, non, mais de toute façon, y a trop de circulation, hein. C'est hyper dangereux. Non! Tu sais pas faire du vélo? Comment c'est possible à ton âge? C'est une terrible histoire. Le bébé cochon sait pas faire du vélo sans ses roulettes. Mais je suis trop petit encore. C'est pour ça. Quelle mauviette! Bébé saucisse! Depuis ce jour-là, j'ose plus remonter sur un vélo. J'ai trop peur qu'elle me fonce dessus. Ah, je vois. Tu fais ce qu'on appelle une fixette. Je préconise un traitement de choc. Ça
T'as pas une autre idée? C'est un peu gênant quand même. Mais on a tout essayé, y a pas d'autre moyen. Allez, roule! Personne te regarde. Laissez passer, convoi exceptionnel. Priorité à droite. Ouais, mon pote a des roulettes. Ça te dérange? Tu vois, tout va bien. Tu te débrouilles comme un chef. C'était pas la peine d'en faire une maladie. La fille à la trottinette. Reste cool, je suis là. Mais c'est notre cochon à roulette. C'est quoi ton problème? Tu sais qu'à ton âge, les couettes c'est ringard. J'aime pas les saucisses, c'est des mauviettes. Hubert, c'est pas une saucisse. Il peut te battre à la course quand il veut. Ah ouais? Eh ben on va voir ça. Je l'attends ce soir à la sortie de la ville. Le perdant devra quitter le quartier. Tu peux déjà commencer à plier tes culottes, ma grande. Te laisse pas impressionner. Elle est morte de peur, je le vois dans ses yeux. Partez! Vas-y, Hubert, pédale, pédale, t'es bien là, t'arrêtes pas, accélère, comme ça. T'as du mal à avancer, on dirait. Attends, je vais t'alléger un peu. C'est maintenant ou jamais, Hubert. Tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Alors, c'est qui la saucisse? Réussi à freiner, c'est ça? Oui. Mais je sais klaxonner. C'est bien, mon Hubert, c'est bien. Hé, hey, t'es pas transparent. Ok, c'est quoi la bonne nouvelle? La classe! Tablette 7ème génération. Attention, ça rigole plus, hein? Blazox ZR3. Fou! Pupus Kawaii! Wouah! Oui, oui! Wouah! Point rugueux! Wouah! Entrésime! Wouah! Sortisame! Wouah! Et. Écran tactile! Wouah! Il se passe rien! Mais pourquoi ça marche pas? Pourtant, ça marche avec moi. Hé, prête. Avec mon nez, ça marche. Super, le concept mais libre. Le voisin, il vient emprunter la tondeuse. Vas-y, faut pas qu'il me voit comme ça. Bonjour. Oui, la tondeuse, donc. Hubert. Tu lui as rien dit, j'espère. Elles sont où les clés du garage? Oups, désolé, j'ai zappé. Bonjour. Les clés du garage, bien sûr.
Voilà, après vous. Il a même pas remarqué que j'avais une tablette sur le groin. En fait, il me regarde même pas tellement il s'en moque de moi. Je suis transparent. Remets-toi. Ce type puant ne regarde que son nombril. T'irais le voir avec une banane et un slip sur la tête, il te remarquerait pas plus. Le mode d'emploi? C'est en 12 langues. En slovène aussi. Bon, ben, au revoir. Mais laisse tomber. Hors de question. Je veux savoir jusqu'où ça peut aller. Tu t'affirmes pas assez. Au lieu de hurler « J'existe !» tout en toi chuchote « Excusez si je dérange. » N'importe quoi. Viens, tu vas te faire rembourser ta tablette. T'es folle? Jamais ils vont vouloir. Salut les accros du gadget. Chut, un peu de discrétion. Oh, ça va, c'est bon. Pas grave. Si, explique-lui la politesse. Sans vouloir paraître grossier, j'étais là avant. Hé, le resquilleur, il était là avant, alors à la queue, ok? Oh, pardon, vous avez pas vu. Suivant. Oh. Démonte-le. Cette tablette toute neuve a un bug. Enfin, peut-être. Voyez-vous, elle ne fonctionne qu'avec mon groin. Ah. Mais s'il l'utilise avec son groin, ça va pas. C'est digital, pas groinital. Perdu. Suivant. C'est un scandale. Avec les excuses du vendeur et une garantie à vie. Tu offres une glace pour fêter ma nouvelle tablette? Oh, ok. Pourquoi tu t'es écarté? Hein? Pourquoi c'est pas le passant qui s'est écarté pour te laisser passer? Ben, je sais pas. Je suis poli, c'est tout. Comment veux-tu que les gens te remarquent si tu ne te dresses pas devant eux? Impose ta volonté! Je te montre. Non, laisse! Voilà le grand Hubert. Alors on laisse la place. Allez, j'ai pas que ça à faire. Hubert n'a pas que ça à faire. Hubert compte dans ce monde. Hubert n'a pas le temps de faire des détours sur le trottoir. Comment je m'appelle? Comment je m'appelle? Hubert. Finalement, rester discret, ça peut aussi être une preuve d'intelligence. Ouais, sauf que l'intelligence, c'est invisible. Ceci dit, là, tu peux pas te plaindre qu'on te remarque pas. Regarde, maman! C'est l'homme invisible!
annoncer, le producteur Jeff Martin m'a proposé de bosser avec lui. Super. C'est qui Jeff Martin? Un ringard qui produit de la pure daube. Non, mais ça c'était avant. Maintenant il fait dans la qualité, avec moi. Et donc, tu quittes le groupe? Ouais, mais on reste ensemble. Je vous embauche comme choriste. T'as vraiment pris la grosse tête. On se revoit quand t'auras dégonflé. C'est ça! Restez moisir dans votre cave! Moi, je vais prendre l'air du succès! Quoi? Je deviens quoi, moi, là-dedans? Je vais avoir besoin d'une personne de confiance pour garder les pieds sur terre. Compte sur moi. Ça va être grandiose! Tu as éclipsé les Beatles et Michael Jackson! La plus grande star de l'univers est née! Ouais, moi, je le sens bien, moi aussi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ce serait dommage de rester fâché. Sûr. Et sinon, comment ça se passe pour Takako? Super! Son producteur l'a fait bosser comme une brute depuis un mois. La voilà! C'est trop génial, ton look! Et maintenant, elle s'appelle Kakatako! Vous comprenez rien au concept de fusion intercroisée des styles? Le but, c'est de projeter l'acidulité de la régression dans une barbarie primale qui fait enfin sortir le rock de la préhistoire de l'âge du cuir. Ah ouais, totale rébellion contre le bon goût. Le ridicule tue pas, mais là t'es quand même en danger. Comment ça donne envie de se boucher le popotin? Ouais, il y a peut-être 2-3 bricoles à améliorer quand même, non? On n'améliore pas le génie. Au fait, Nat et Cathy ont mis une annonce sur musicos.com pour te trouver une remplaçante. Quoi? Ça te pose un problème? Oh, pas du tout. Elles vont peut-être trouver une pâle copie, mais me remplacer, ça m'étonnerait. T'es soulagée, hein? Elles refont leur vie. Chacune sa carrière, tout le monde est content. Je suis militaire. Allez, viens, on va répéter. Je t'aime, me, tu m'aimes, me, on s'aime, me, c'est incroyable. Bravo! Excellent! Je te demande pas d'applaudir. Je te demande de dire ce qu'on peut améliorer. Rien, c'est parfait. Tu critiques, c'est un ordre! Le rythme. Génial. La mélodie. Sublime. La chorégraphie. Grandiose. Les paroles. Magnifique. Le look. Top. Je suis... Ouais, salut. J'ai vu votre annonce, vous cherchez toujours une chanteuse? Ouais, on a plusieurs pistes. Tu veux passer le casting? Comment tu t'appelles? Je suis Mimi, tu es Mimi, on est Mimi, c'est formidable. Je t'aime, me, tu m'aimes, me, on t'aime, me, c'est incroyable. Formidable! Kakatako, mesdames et messieurs! Vous en voulez encore? Ils sont paralysés par l'émotion. J'ai pas bien entendu, là. Est-ce que vous en voulez encore? Bravo, il y a une belle énergie. N'est-ce pas? Traduction, c'est creux et ringard. Franchement, surprenant. Traduction, c'est de la daube. Mais regarde comme tu rends les gens heureux, c'est énorme! Alors là, tu nous as bluffé, hein? Grave, t'as franchi un cap. Ouais, on a travaillé le son pour cartonner au Japon et aux States. Bah, super, pour toi. On y va, on a une répète avec ta remplaçante. Ciao! Ils ont trouvé quelqu'un, c'est génial! Ça? Bah, les types du showbiz! Tout ça, c'était une stratégie pour voir comment ça fonctionne de l'intérieur!
Ça va être super utile pour nous. C'est qui, nous? Bah nous, les poils aux pattes! Vous avez vraiment cru que j'allais quitter le groupe? Ben oui. Ah, désolée, on est au complet. Ah non, il reste une place de choriste. Qu'on voit un peu si ces riffs de guitare déchirent autant que les miens. J'ai entendu une fausse note, là, non? Faut te faire une raison, la guitare, c'est pas ton truc. Ben ouais, ton truc, c'est la gloire. Ok, j'ai pris la grosse tête. J'ai fait un mauvais choix et j'ai pas été cool avec vous. J'ai tout raté, quoi. Tu sais, en vrai, on a pris personne d'autre. Parce qu'une peste comme toi, c'est irremplaçable. T'arriveras jamais à la cheville, ma grande. J'ai comme un doute. Allez, juste une fois, pour lui faire plaisir. Go, les filles! Je suis Mimi, tu es Mimi, on est Mimi, c'est formidable. Je t'aime, me dis même, on s'aime, c'est incroyable.